Mais qu'est-ce que t'as, mon petit JC? Quoi? T'as encore une montée de testostérone? Tu devrais voir un médecin, tu sais. C'est le printemps, j'ai la pêche, moi. Hein? Là, je suis parti en flèche jusqu'au mois de septembre, non-stop. C'est mon biorhythme. Et ta femme, elle tient la distance? Elle accuse un peu le coup en fin de saison. Mais on n'épouse pas un convenant juste pour épater les copines. C'est clair. Hey Jean-Claude, ça tient quoi toujours pour cet après-midi? Ah ben je te l'ai promis Sylvain, je t'emmène en balade avec moi. Enfin tu vois, je croyais te connaître. En fait, je me serais jamais douté que tu serais partant pour un trekking en forêt, c'est un beau. Trekking mon cul Sylvain. Par la chasse tous les deux. On va communier avec la nature, ça va être chouette. À la chasse? Ouais. T'es pas sérieux là, tu fais mais bien sûr que je suis sérieux. Et puis il faut que tu me fasses penser, hein. Faut que je prends des sacs poubelles pour mettre le gibier. Mais il faut une arme, Jean-Claude. J'ai... Ah non mais attends là. Tu vois, ça c'est Dédé qui me l'a prêté. Bon alors évidemment ça vaut pas la 22, hein. Mais il m'a dit que pour une initiation à la BK ça devrait suffire. Jean-Claude, range, je t'en supplie. Ne fais pas ta mouillette, Sylvain. Il est pas chargé. Ouais, enfin bon, moi je t'ai partant pour une balade, mais je crois que je vais pas venir, c'est mieux. Tu restes là. J'ai besoin de quelqu'un pour faire du boucan dans les fourrés. T'as compris? Jean-Claude, arrête le café Calva, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai hâte d'être à ce soir. Hello. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous avec ça? Range-toi tout de suite. Mais t'es complètement malade, toi. Hein? Calmez-vous, oh. C'est juste un flingue, il est déchargé. Ouais, il flippette. Qu'est-ce que t'as à baver dans mon dos, toi? Je bave pas, Jean-Claude. Bon. J'essaye de t'éviter une grosse connerie. Par la chasse avec Sylvain cet après-midi. En chasse? Ouais. Et t'as le permis? Pourquoi faire? Ah bah, je... Bah alors, attends, j'ai passé l'âge de faire des examens, hein. C'est juste une fois comme ça pour se marrer. Ah, parce que t'as déjà chassé? Bah ouais, l'année dernière. Ah. Avec Dédé, le mec qui m'a prêté le flingot, là. Alors, lui, il avait blessé un vélo, puis moi, j'avais eu un chien. Bon, c'est pas brillant, hein. Mais cette année, là, j'ai promis de ramener du gibier pour les gosses. Juju, j'ai retrouvé le listing d'adresses que tu cherchais depuis un mois. Ah, super. Ne bouge pas à vous, baby. Mais je pouvais pas savoir, moi, Jean-Guy, qu'il était chargé. Cette fois-ci, j'appelle la police. Oh non. J'espère que vous avez une bonne raison pour détenir une arme pareille. Hein. Mais c'est-à-dire qu'avec Sylvain, on pensait aller à la chasse. À la chasse? Oui. Avec ça? Vous chassez quoi? Bah, tout ce qui bouge. Enfin, tout ce qui se présente. Enfin, on va à la chasse, quoi. Écoutez. C'est bien parce que je suis chasseur moi-même que je ferme les yeux pour cette fois. Ah, mais je confisque ceci. Ah non, non, c'est pas possible, c'est pas à moi, Jean-Guy. Je vous le rendrai quand vous monterez votre permis de chasse. Non, c'est pas à moi, Jean-Guy. Ça va, Maïva? Vous allez pouvoir reprendre le travail? Espèce de malade, tu t'en tires bien, j'y crois pas, hein. Il a voulu me tuer. Bon, bah ça va, oh, Maïva, ça va, t'es pas morte non plus. Bon, allez, Sylvain, va te préparer, on part à la pêche. Mais non, mais je... On va passer acheter du white spirit, on va travailler à l'ancienne. C'est pas très fair play, mais moi, il faut absolument que je ramène du poisson pour les miens. Puis c'est bien le poisson, il y a plein de fer pour la tête. Hé, il n'y avait pas une image d'urgence ici, Juju? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai shooté un mouton avec la Xantia. On est en train de le découper dans le parking avec Sylvain. Oh, on en chie, il est coriace, hein. En fait, il a dû stresser au moment du choc, il est tout raide. T'as ramené un mouton crevé dans ta bagnole? Bah évidemment, j'allais pas le laisser là, hein. Même qu'on a dû lui rouler dessus 4-5 fois, hein, pour le plier. Parce qu'on n'arrivait pas à rentrer dans le coffre. Oh eh, tu veux des rognons? Oh, ils sont tout frais, ils ont éclaté en même temps que la vessie. Oh, prends. Oh. Je la pêche, moi. Je communie à 200% avec la nature. J'aime bien la chasse, parce que ça me relaxe.